Le stretch flow numéro 3 est basé sur le haut du corps et pratiquement tout le protocole va partir sur une position à genoux de telle façon que chaque stretch flow soit différent. La première position, c'est le chat. Donc pendant 5 répétitions, ou la vache, je crois, on dit en yoga. Tu vas inspirer tranquillement, calibrer ta respiration sur une légère cambrure et expirer ici sur un arrondi. Tu peux faire en sorte que la respiration soit audible. Lorsque tu inspires, tu vas remplir les poumons, antéverser le bassin et en expirant, tu vas vider tes poumons et rétroverser ton bassin. Tu pousses sur les omoplates, tu pousses sur tes bras. Quatrième pour moi. La dernière. Donc ta première position, elle va s'enchaîner ici avec un étirement vers l'arrière. Tu pousses sur tes bras, tu viens t'asseoir entre les talons. Tu me vois, c'est parfait. Je tiens la position environ 3 secondes et tu viens faire un cobra contrôlé toujours. 3, 2, 1, on repart sur 5 répétitions. 3, 2, 1. Troisième. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Quatrième. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc bien sûr, en fonction de ta mobilité, tu peux avoir plus d'amplitude sur des mouvements. 3, 2, 1 ou moins, ça n'a pas d'importance. Tu fais comme tu peux, tu fais attention sur les positions qui te sont un petit peu douloureuses. Tu vas placer tes deux mains ici sur le côté gauche et pousser tes fesses vers la droite. Et tu vas maintenir la position pendant 20 secondes. Ensuite, tu reviens, tu mets tes deux mains de l'autre côté et tu pousses tes fesses du côté opposé. Tu maintiens la position une vingtaine de secondes. Donc, ton mouvement, il est en diagonale ici avec les fessiers vers l'arrière et dirigé à l'opposé de tes bras. Donc, de façon à étirer la partie dorsale ici. Donc, tu maintiens la position. Ensuite, tu te redresses. Tu vas venir ouvrir ici, pratiquer l'étirement de Samson. Donc tu vas mettre tes mains comme ceci, les index pointés, ouvrir au maximum et rétroverser ton bassin. Donc ton corps prend la position d'un C. Donc tu viens ouvrir l'amplitude, pousser ton bassin un petit peu vers l'avant et étirer tes épaules vers l'arrière ici. Tu maintiens une vingtaine de secondes. Tu relâches. Tu vas faire deux ronds. Et tu switches. Tu rétroverses. En rétroversant, tu avances un petit peu. Tu te places. Et là, tu peux antéverser un petit peu, prendre la forme du C,
ouvrir la cage thoracique, dégager tes bras derrière les oreilles, si tu peux bien sûr. Travaille sur l'ouverture. À l'issue des 20 secondes, tu viens relâcher. Tu vas prendre la position qu'on appelle l'épingle. Donc tu viens ici en yoga. Tu t'installes à l'intérieur avec ton bras ici. Donc même chose, tu vas maintenir la position une vingtaine de secondes. Et tu switches. Tu reviens. Te place comme ceci. Tu viens bloquer avec ton bras, tu regardes par-dessus ton épaule. Tu poses ta main. Et tu refais le mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Switch. Si tu n'arrives pas à descendre sur le coude, tu as cette option. 1, 2, 3. Donc tu fais comme ta souplesse le permet, ça n'a aucune importance. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Reste une vingtaine de secondes. Tu tires ton coude derrière ta tête. Tu inclines légèrement le buste. Tu restes gainé. Tu switches. Tu maintiens la position. Shake. Parti. À genoux, haut du corps, stretch flow numéro 3, tu peux le reproduire deux fois de suite et ça te fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes.